va venir Pousset. Allez, le petit Pousset, même pas le petit Pousset. Attends. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Oui, d'accord. Voilà, ok. Bon, alors là, on change carrément d'univers. Oh, il y a des monstres là, qu'est-ce qui se passe? Mettez-vous en place, hein, si vous voulez. Viens là. Je suis fier de vous. Ça va bien? Ça va bien. Je vous aime. Bon, alors toi. Oui. Toi, ton spectacle s'appelle donc Mobile Môme. Mobile Môme. C'est donc le 26 décembre. 26 décembre, aux Zèbres de Belleville. Oui. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer qu'on va fêter Noël pour les enfants. Oui. Avec tous mes copains. Tiens, j'en ai un qui passe par là. Oui, bah, voilà. Comment il s'appelle? Comment tu t'appelles déjà? Molos the Boss. Molos the Boss. Voilà, donc, on a plein d'amis qui vont venir aux Zèbres de Belleville pour faire la fête. On va chanter, on va danser. Oui. Voilà, on n'a pas pu aller au marché de Noël, comme tu peux le savoir, parce qu'on a été... Oui, voilà. Tu connais l'histoire. Du coup, tu fais le 26 décembre. Je fais le 26 décembre, voilà. D'accord, ok. Alors, Pascal Fousset, c'est ton vrai nom, Fousset, ou pas du tout? Ouais, c'est mon nom, ouais. Ouais, c'est ton vrai nom. Mon vrai nom. Très bien. Alors, le pitch de Mobile Môme, tu me dis si vas-y. Je me trompe. Une roulotte isolée, c'est ça, dans la forêt, attire la curiosité d'une fée. Oui. C'est ça? Une fée qui n'a pas pu venir, elle est très occupée à cette période de Noël. Bon, elle entend quelques notes de guitare, elle entre et découvre le petit Fousset, c'est donc toi. Tout à fait. De cette rencontre naîtra le spectacle Mobile Môme, jeu de mots. Calembour. Au cours de leur voyage, ils rencontrent des personnages, donc plein de personnages, je suppose, dont monsieur. Hein. Monsieur. Pony, le cheval de la roulotte. Oui, qui est là aussi aujourd'hui. Là. Il est où, Pony? Pony, viens, Pony. Mets ton masque. Attends. Ah, il est beau, Pony. Attends, Pony. Ah, oui, il est très, très beau. Pas salut, ouais. Voilà, Pony. Oui, Pony. Bonjour, voilà, Pony, le cheval de la roulotte, voilà. Il est très bien. Qui tu as d'autre? Coin, le canard géant. Ah, il n'est pas là. Il n'a pas pu venir. Et Papy Woodstock. Papy Woodstock, pas non plus. Qui a pu venir, alors? Attends, je vais t'inviter. Le Rennes. Mais le Rennes, c'est la surprise. Le Rennes, il va avoir deux minutes, mais normalement, il va venir que pour la chanson de Noël. Mais c'est pas grave, il est là. Le Rennes. Kenji, il s'appelle Kenji Le Rennes parce qu'il a un flamenco d'enfer. Et il chante une chanson qui s'appelle « C'est moi, Rudolf Le Rennes ». C'est un flamenco. Bon, Rudolf Le Rennes, jeu de mots? Non, oui, Rudolf, mais c'est Kenji Le Rennes, parce d'accord. Que maintenant il vit au Sainte-Marie, parce qu'il en a marre de ses cahiers. Mettez-vous en place, je veux parler un peu quand même avec Fossé. Allez, mettez-vous en place. Mettez-vous en place là-bas. Hein. Vous voyez, non, ou pas du tout? Ben, viens là. Bon, alors, viens, Le Rennes. Est-ce que. Mais bien, mettez-le là-bas, voilà. Voilà. On serait soit en place pour la chanson. Hein. Voilà. Bon. OK. Donc le pitch, c'est ça. Donc tu parcours. Tu parcours le monde entier avec ça, avec ta roulotte? Avec ma roulotte. Oui, voilà. C'est le spectacle. Et parfait. C'est le spectacle. Et on rencontre des personnages. Non, mais reste là pour l'interview. Il a la bougeotte. Et donc chaque personnage a un truc, à une vraie histoire. Par exemple, Pony, que tu vois là, il était tout seul. Comme tu vois, il a une peau de vache. Donc, il était rejeté de ses copains parce qu'il n'avait pas la couleur d'un cheval. Oui. Du coup, il a été rejeté. Donc, droit à la différence, Pony représente. Voilà, il faut accepter tout le monde. Parfait. Le Rennes, on le connaît. Molos the Boss, lui, c'est plutôt le gars de la banlieue, mais on en parlera plus tard. Et puis il y en a plein d'autres. Oui, qui vont arriver comme ça. Quoi. Voilà, d'accord. Exact. Ok, parfait. Tu es donc un troubadour provençal des temps modernes. Oui. C'est ce que j'ai lu. Tu es d'accord avec ça? C'est complet. Oui, pourquoi des temps modernes? Parce qu'on est dans la modernité, regarde. Bon, excellente réponse. On essaye. Tomber dans la marmite de la pop musique. Oui. Qu'est-ce que tu écoutais quand tu étais ado? J'écoutais évidemment Bowie, j'écoutais les Smiths, j'écoutais les Doors, j'écoutais des bons trucs. Ça n'a plus rien à voir avec Mobile Môme, si je peux me permettre. Bah, non, mais j'ai fait avant ça. J'ai fait des chansons pour dans le même esprit. Mais là, tu vas voir que c'est quand même du rock hein, pour les enfants. Hein. Rassure-moi. Ouais. Très bien. Alors, tu poursuis tes études. Qu'est-ce que tu as fait comme études? J'ai fait des études, des grandes études de commerce. De commerce, ouais. Très bien. Subdeco? Voilà. Non, école de commerce qui a duré quelques années, 4 ans. Donc, alors, bac B, l'éco, tout ça. Et après, je me suis dit, ça sert à rien. Ça sert à rien. Musique. Voilà. Donc, on se retrouve sur un truc qui s'appelle l'ALU. L'ALU. Oui. H-A-2-L-U. Quel genre d'ALU? Quel genre d'ALU? C'était l'ALU à Honolulu à l'époque. Parce qu'on était parti à Hawaï avec mes potes. Ouais. Et on en est revenu, mais dans un état un peu différent. Voilà. Oui, un état un peu second. Ouais, voilà, un peu donc second. Ça, c'était l'époque l'ALU. L'ALU, très après, bien. Un... Tu fais Bobino avec l'ALU? Avec l'ALU, on fait Bobino, d'accord. Exactement. Il y avait aussi NTM, il y avait, FFF, Le Cri de la Mouche. Je ne sais pas si vous avez connu ces groupes de rock. Ah, mais... si, je les ai bien connus. T'as connu? Bah, voilà. Oui, tu sais, quand je présente les enfants du rock. Mais voilà, c'est ça. Ah, oui, mais tous. Voilà. Donc voilà, on était avec toute cette bande de joyeux lurons. Alors, tu fondes un groupe de rock qui s'appelle Les Indians. Voilà, alors, c'était quoi comme musique? C'était vraiment rock psychédélique.
Oui. Donc avec une grosse guitare électrique, batterie. D'accord, tu jouais de quoi, toi ? Moi, je chantais. Oui. Je chantais. Parfait. Voilà. Tu fais la première partie de Jean-Louis Aubert ? Aubert, Axel oui. Bauer. Très bien. On jouait avec ton groupe. Hein. Avec mon groupe. Donc tu fais une centaine de concerts. Oh, oui, après, il y a eu un petit. Viens, prends-moi n'aie crainte. Et d'un seul coup, tu as eu un accident de ski, donc tu arrêtes tout. J'arrête tout. Tu arrêtes tout et tu rejoins, tu retournes en Provence. Voilà, et je m'arrête. Et tu t'es dit, je vais faire une carrière solo. Alto groupe, pourquoi ? Parce que le groupe s'était disloqué avec. Voilà. C'est comme ça, le groupe de rock, tu sais, c'est... D'accord, ok. C'est inexplicable, parfois. Et tu choisis le nom du Petit Fousset. Voilà. Donc, jeu de mots. Jeu de mots, calembour, toujours. Cabaret pop Fousset. Dans les années 2000. Hmm. C'était quoi, le cabaret pop ? Cabaret pop, c'était un... On faisait beaucoup de cabaret. Oui, pop. C'était de la pop. Excellent, très bon. Et donc, ouais. On a fait beaucoup de cabaret et de la pop, voilà. Bah, très bien. Mais je me déguisais encore plus que dans les Ignas. Là, les Ignas, c'était un groupe de rock. Ouais. Là, vraiment, il y avait du cabaret. Quoi. Tu as fait les Francofolies ? J'arrivais en gonzesse. Alors, les Franco, c'était en 2001. Oui. Voilà. Sous ton nom ou sous le Petit Fousset. Le Petit Fousset. Voilà. C'est à l'époque du cabaret, exactement. Et en 2010, tu crées donc la roulotte Mirella. Mirella. Alors, qu'est-ce que c'est que cette roulotte ? C'est une roulotte, une roulotte en bois qui a été faite à l'ancienne, que j'ai faite, pour suivre là. Et elle s'ouvre comme un théâtre, donc je me balade c'était toute ambulant, la France. C'est un musical ambulant. C'est un musical ambulant, exactement, et ça s'ouvre comme un théâtre. Et on parcourt toute la France tout l'été, tu peux nous voir sur toutes les plages de l'Atlantique, de Biarritz à Paris. Tiens, ça fait combien de temps que tu fais ça ? Ça fait 5 ans. Est-ce que tu le fais encore ? Je le fais toujours. Tous les étés, tous les étés, tous les étés, tous les hivers, tout le temps. Tu as fait aussi le Festival Off d'Avignon ? Aussi, deux fois, oui. Pour Cabaroc on the Roulotte. On the Roulotte. Alors, c'était quoi ce spectacle ? Là, c'était avec Pony. Oui. Tu as toujours les mêmes animaux ? Non. Pony, qui est dans Pony, mon cousin, en fait. Attends, ton cousin, c'est Pony. Oui, c'est d'accord. Pony. Cousin et Germain il joue, ou... il joue de la guitare. Ouais, cousin éloigné, cousin, non ? Non, cousin, tu verras quand il. Oui. Voilà. D'accord, ok. Et on faisait un duo de chansons pop au Festival d'Avignon. Voilà. Parfait. Dans la roulotte. Bon, on a tout dit, là. Oh, en tout cas, on en a dit. Oui, alors je vais t'accompagner, tu vas allez, chanter. Ok, Jackie. Bon, alors. Alors, Jackie. Bon, alors, bon. Bon, qu'est-ce qu'on fait ? Alors, t'as présenté tes animaux. Ah, oui, merci. Oui. Bah oui. Petit micro. Il faut un micro pour chanter. Ah, oui. Il faut un micro. Bon, vous êtes prêts, les animaux ? Oui. Bon. Vous êtes prêts, les copains ? Bon, alors, qu'est-ce que tu vas chanter ? Alors, une chanson qui s'appelle Le Rock du Mobile Môme. Oui, donc extrait du spectacle qui s'appelle Mobile Môme. Oui. Et c'est donc Lucky Lux qui normalement est habillé comme tu me vois. Oui. C'est un personnage qui arrive de Las Vegas. Oui. Et qui a écrit cette chanson en hommage à Johnny Hallyday. Oui. C'est un rock pour les rockers. Alors normalement, on va peut-être inviter les copains à danser. Le but, c'est de danser du rock. Donc tu vois, on est sur scène on va chanter. Bon, alors vas-y. Et on y va. Allez, c'est parti. Toi qui aimes le rock, tu vas être servi. Oui, je vais regarder. Tu vas regarder ? Oui, je vais regarder. Alors, tu fais la deuxième chanson après, alors. Après, deuxième chanson. Et c'est parti, alors. C'est parti ? Bah oui, c'est parti, leur tourne. Leur tourne, on y va, Jackie. Allez, c'est parti. Vous allez bien, les copains ? All right. Dans notre roulotte, y a plein de copains, des animaux croisés sur nos chemins. Émerveillés par la belle fée, ils se sont mis à chanter, danser. Oh, rock and roulotte, allez, on fait le rock. Oh, rock and roulotte. Rock and roulotte, c'est le rock du mobile môme. Coincé dans un coin, j'ai croisé coin, sous un matelas, la remonta. Qui s'est monté au fer à cheval de notre fidèle ami Pony Pony. Oh, rock and roulotte. On fait comme ça le rock. Oh, rock and roulotte. Rock and roulotte, c'est le rock du mobile môme. C'est le rock de la roulotte. C'est le rock de la roulotte. Rock. C'est dans le rock. Rock de la roulotte. All right. C'est le rock du mobile môme. C'est le rock de la roulotte. C'est le rock de la roulotte. Rock. C'est le rock de la roulotte, c'est le rock du mobile môme. Un jour la fée comme par magie, d'un coup de baguette m'a transformé en super rocker qu'on appelle Lucky. Lucky Lux, l'étoile de la nuit. Oh, rock and roulotte, oh, rock and roulotte. Rock and roulotte, c'est le rock du mobile môme. Harmonica, solo, come on! All right! Ah, Pony, tu déchires, Pony, vas-y!
All right. C'est le rock de la roulotte. C'est le rock de la roulotte rock. C'est le rock de la roulotte. C'est le rock du mobile home. C'est le rock de la roulotte. C'est le rock de la roulotte rock. C'est le rock de la roulotte. C'est le rock du mobile home. Le magnifique reine Kenji a déchaîné toutes ses groupies en dansant le rock avec le loup son ami. Et l'escargot n'a pas fait l'œil de la nuit. Oh rock and roulotte. Oh rock and roulotte. Rock and roulotte, c'est le rock du mobile home. Solo, come on, pony. All right, all right. I like it like that. Oh, pony, it's on floor. Come on. Oh, Jackie, come on. You're the rocker. C'est bien, les applaudissements. All right. Bon, la deuxième chanson, faut que tu changes, c'est ça? Ouais, bon, petit break de 20 secondes. 20 secondes? 10 secondes, allez. Allez, bon, alors, comment s'appelle la deuxième chanson? Joyeux Noël. Joyeux Noël, parfait. Donc, dans quelques instants, dans 20 secondes, paraît-il, le petit Fousset va vous chanter Joyeux Noël. Il y a d'autres animaux? Bah, fais-les rentrer. Pas des animaux, non. Non, c'est quoi? Non, non, ouais, viens, viens. Ah, le clown du début, mets-toi en place, mets-toi en place, mets-toi en place. Voilà. Ouais, bah, il y a du monde. Ah, ils sont beaux. Oh là là. C'est magnifique. Comment tu t'appelles? Cristal. Cristal, et toi? Debout. Toujours le même? Depuis le début de l'émission? Bon, tu es prêt? Faut y aller, là. Ouais, allez. Alors, en exclusivité intergalactique pour le GLPP, c'est donc le petit Fousset qui va nous chanter... Je sais plus. Je sais plus. Joyeux Noël! Joyeux Noël! Allez, hop, on y va. Joyeux Noël! C'est parti, tu es prêt? On y va. Musique. Hey les enfants, c'est le Père Noël. Levez les yeux au ciel. Oh 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 oh. Levez tous vos yeux dans le ciel, il arrive dans son beau traîneau, guidé par Rudolph le renne, c'est mon ami le Père Noël. Levez les yeux dans la lumière, il est passé pour nous saluer, à la roulotte Mirella, c'est notre ami le Père Noël. Joyeux Noël, joyeux Noël. Levez tous vos yeux dans le ciel, il est venu pour dire bonjour au petit Fousset et la fée, c'est notre ami le Père Noël. Levez les yeux dans la lumière, on n'est pas prêt de t'oublier. Bienvenue dans le mobile môme, le Père Noël est arrivé. Joyeux Noël, joyeux Noël. Venez, voilà, venez tous là. Tous, allez, on y va. Venez, venez, applaudissements s'il vous plaît. Hop là. En tout, on va être bien. Voilà, donc le GLPP c'est terminé pour aujourd'hui.
Hein ? Ah, je voulais. Bah, j'ai compris. Non, mais alors, je vais la refaire. Quand je suis amusé, je vais faire. Oh. Le jeu est fait, c'est terminé pour aujourd'hui. Oh. Mais on se retrouve demain. Bon, Yann Egan, merci d'être venu. Non, quand je dis c'est terminé, c'est pas terminé. Hein. Mais ah, Romain Fanon, que là, tu peux prendre la photo. Yann Egan, ça s'appelle L'enfant qui venait des étoiles. C'est aux éditions Grard, Georges Grard. Aux éditions Georges Grard. Merci voilà. De ta présence, Yann Egan. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bérangère Dautin. Bravo Bérangère. Alors c'est au Studio Héberto. Studio Héberto. Très bien. Et jeudi, vendredi, samedi, 21h et le dimanche à 17h. Bravo Bérangère Dautin. Voilà. Bon, Philippe, tu peux te mettre à côté de Bérangère, parce que là, t'es devant la caméra, donc on va appeler toi. Parce qu'il faut dire que Philippe, il pensait que c'était fini, mais c'est pas tout à fait. Mais Dodo, il est bon, la caméra. Ah, Dodo, il est bon, Dodo. Merci. Il est bon, Dodo. Merci donc au petit Foufousset et toute sa troupe. Et toute sa troupe, les Momies, le Môme. Et aux Zèbres, donc le 26 décembre. Le 26 décembre, à 15h, les enfants, avec vos parents, on va se marrer pour une grosse fête aux Zèbres de Belleville, dans le 11e. Merci à tous, c'était le GLPP. À demain, 17h30 précise. Super, ciao, au revoir. Salut. Thank you.